Salut, salut! Allez, on attend que tout le monde arrive, tranquillement. Salut Axel! Installez-vous tout le monde. On va prendre un peu de temps, tranquille. J'espère que tout le monde va bien. Alors, du coup, je vous ai annoncé plus tôt dans la journée sur la page. Salut Léandre! J'ai annoncé sur la journée. J'ai annoncé dans la journée sur la page comme quoi. J'allais rouvrir les Midclaws Soul of God à partir de maintenant. Je ne vais pas laisser le choix, c'est moi qui ai choisi. Je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. J'ai décidé donc qu'on va faire les 12, on va se les faire deux par soir. Et on va faire ça dans l'ordre du zodiaque. Donc du coup, le taureau et le bélier pour ce soir. On commence de manière logique par le bélier. C'est parti. Donc, l'amicus Soul of God du Bélier. Bon, les Soul of God, je les avais quasiment toutes montées à l'époque. Avant, il me restait la Balance et puis je crois que c'était à peu près tout que j'avais pas monté. C'est de vous remettre un peu mieux, voilà. Comme ça, c'est mieux. Je crois qu'il y a Vegeta qui fait un poil trop de bruit. Ça c'est mieux. Alors, on est parti. Donc, je me laisse la boîte de côté. La boîte, j'étais en train de dire, j'ai pas la notice, mais si elle est là, ouais, Vegeta, ouais. Un peu bruyant, Vegeta. Je le laisse, hein. C'est la mascotte des soirées remontage de Midclose, l'ami Vegeta. Donc, salut Goth! Hop! Voilà. Ça, c'est la petite carte qui était à chaque fois avec les Gold, Soul of Gold, pour mettre dans le petit classeur qui était fourni avec le premier qui était le lion. Ah oui, Vegeta, c'est dingue, hein? Je vais le tourner. Bon, il est un peu bas, il faudrait qu'il soit légèrement rehaussé pour que vous le voyez encore mieux, mais je pense que c'est pas mal déjà. Et puis c'est pas la chose principale, l'événement principal du live. Allez, c'est parti. Tac. Je mets mes petites histoires de côté. Donc du coup, je vous ai dit, on va se taper tous les Soul of God. Et vu que ce sera deux par jeudi soir, et bien forcément ça va nous occuper pendant 6 soirées, les gars. Il y a 6 jeudis soirs où on va monter du Soul of God. Ah. Allez, c'est parti. Donc. Notre ami Mu du Bélier. Tac. On ne veut pas tenir debout déjà. Hop. Forcément, avec une position des pieds comme ça, c'est sûr que ça n'allait pas le faire. Alors, on va essayer de se faire ça tranquillement. Je regarde à peu près tout ce que j'ai dans mes boosters pour pas me louper. Allez, c'est parti.
Donc le bélier qui était un des trois premiers à être sorti en version Soul of God. Le premier c'était le lion, le deuxième c'était Shaka et le troisième c'était Bélier, me semble. Il faisait partie de la publicité où on voyait les trois là pour faire la promo des figurines Soul of God. Voilà. Bon, en théorie, sur ces Soul of Gods que je me rappelle, il n'y avait pas non plus de grandes difficultés de montage. Ça se faisait quand même assez rapidement, assez facilement. Donc je pense que ça va pas non plus trop traîner en longueur là, les soirées remontage Soul of God. Bon, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu, on en a appris un peu plus sur le saga Canon OCE Bandai Tamashii, là. Il va y avoir une chevelure version Evil, donc chevelure noire. Et on ne sait pas encore le contenu exact du paquet, de tout ce qu'il va y avoir dans la boîte. On connaît à peu près, enfin on connaît la date d'ailleurs, ce sera celle du salon. Qui est en fin d'année. On connaît le prix de vente du salon. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal, on va dire. Salut Marc Charron. Installe-toi tranquillement, regarde. On vient de commencer le mu Soul of Gold. Alors, il fait très très chaud. Salut Christian. Eh bien, alors, pour répondre à ta question, Dante du Cerbère, j'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi le mien partait, était envoyé. Donc, la semaine prochaine, non, je pense pas. Peut-être dans 15 jours. Peut-être que dans 15 jours, on se fait un live pour l'ouverture. Je pense que la semaine prochaine, on va se faire un live encore sur Love God. Et on s'ouvrira du coup les deux prochains. Japon? Ouais, c'est le Japon, ouais. Ouais, Christian, le mien est parti du Japon là, aujourd'hui. Ouais, donc du coup, je disais, la semaine prochaine, ça sera Saga. Le pack Saga, que je n'ai jamais ouvert encore. Et le prochain avec ses Death Mask. Death Mask qui est vraiment très très bien en version Soul of God. Moi j'aime bien. Sais pas chez vous, mais je pense que ça doit être la même chose. Il fait une chaleur. Même si j'ai laissé tout fermé chez moi aujourd'hui, là, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est pas respirable quoi. C'est... Salut Yann. Hop. Voilà, tranquille, ça passe bien, pas de difficulté pour l'instant. Et du côté Cosmic Group pour le Cerber, bah il faut compter. Salut Canon! Bah, il faut compter, je crois, c'est environ 2 mois après, quoi. En moyenne, c'est ça, 2-3 mois après. Donc ça veut dire à peu près septembre. Je connais pas la date exacte pour les versions européennes, je peux pas te dire. Mais en général, c'est à peu près ça.
Ah, le voilà. Notre ami, les figurines de The CNS qui vient d'arriver. Comment ça va? On est en train de se faire le Muse Hall of God. Fin août, début septembre pour Dante, comme pour Phoenix V, hein, nous dit Yann. Tu vois, donc c'est ce que je t'avais annoncé à peu près. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Quand on parle de figurines version Soul of God, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est l'ouverture de la troisième saison de mon ami The CNS qui nous a fait un Camus Soul of God par Great Toys. Sa vidéo est vraiment très très intéressante, de qualité comme toujours. Et il arrive encore une fois à nous faire des poses magnifiques, dont une qui me fait rire à chaque fois. Et je pense, vu qu'il est là ce soir, il va très bien, très vite savoir laquelle je veux dire. Quand je vois la façon dont il pose ses figurines, j'ai l'impression de voir des poses du manga Jojo en fait. C'est des types de poses qui sont devenus des mèmes sur internet, ça s'appelle les Jojo Dashi. C'est très drôle. C'est des poses typiques des personnages, toutes saisons confondues du manga Jojo. Vous regardez pour ceux qui ne voyaient pas trop de quoi je parle, vous regardez les couvertures de certains tomes avec des poses un peu comme ça là. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. C'est un des points qui a fait la popularité de ce manga aussi d'ailleurs. Hop. Donc du coup, je re-répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous allez vraiment, vraiment passer un bon moment. Et notre ami a d'ailleurs une petite gueulante à propos des produits pirates et compagnie. Et bah, c'est bien qu'elle soit posée. C'est bien qu'il y ait des gens qui affirment leur façon de penser, c'est bien, par rapport à tout, aux produits pirates et compagnie. Ça m'a bien fait plaisir d'entendre certaines de tes paroles dans ta vidéo. Qu'est-ce que je vais lui coller comme tronche? Vu que je sais pas trop ce que je vais faire comme pose, pour l'instant je leur fais des poses un peu banales. Eh ben je vais lui mettre une tête banale, tout simplement. Salut monsieur Juan Garcia. Comment ça va? Alors, je vais peut-être pas lui mettre les mains fermées, je vais lui mettre des mains semi-ouvertes. Je sais pas trop ce que je vais faire avec après. Je pense qu'après je vais être en vacances. Bah écoute, ça va. Ça va, impeccable, regarde. Une mi-close à la main. Donc forcément, ça peut que bien aller. Ouais, je disais, ça va être les vacances après. Je vais peut-être avoir un peu plus de temps. Et je vais peut-être pouvoir me poser pour pouvoir prendre le temps de faire quelques poses sympas à certaines figurines. C'est pas gagné. Vous savez ce que c'est quand on est. Quand on travaille, quand on est papa, le temps on l'a pas toujours.
j'arrive à trouver du temps régulièrement dans la journée, quelques minutes par-ci par-là pour pouvoir suivre l'actualité figurine et tout ça pour pouvoir la partager avec vous. Et j'essaye de me débloquer tous les jeudis soirs pour faire en sorte de toujours être en live avec vous. Pour comment ça? Qu'est-ce qu'il y a presque Juan Garcia, pourquoi tu dis presque? Tout va bien là. C'est impeccable, non? Ben, en fait, j'ai pas trop le choix parce que vu que je veux lui mettre le casque. Je ne sais plus comment on fait, je vais regarder. Je veux pas faire de bêtises, je veux pas passer trop de temps non plus à faire ça. Donc, il y a vraiment une chaleur de dingue aujourd'hui. Alors, si je dis pas de bêtises, on a cette chevelure-là. On a cette chevelure-là, on a le truc là. Ok, ça marche. Et du coup, je vais en profiter tant que mon ami de The CNS est là, Renaud. Je me rappelle plus, tu avais fait des vidéos de ta collection. Est-ce que toi, tu aurais maintenant les 12 Soul of God? Je crois pas, hein, de mémoire. Je pense qu'il doit en manquer un ou deux, il me semble, non? Non, non, Yann, Vegeta, c'est le mien. Il ne bouge pas d'ici. Alors, pourquoi ça ne rentre pas comme il faut? Forcément, comme ça va beaucoup mieux. Salut Junior! Je sais pas si tu as vu ce qu'on était en train de faire là, Junior, mais en fait, on se remonte les deux premiers Soul of God. Mais ils t'ont pas dit Yann? Celui-là c'est le tien en fait. Il est arrivé directement chez moi. Ils ont compris que t'en voulais pas en fait. Ils m'ont dit bon, on te file le carton quoi. Ouais, c'est le Bélier Soul of God et après on attaque le Taureau Soul of God. On va tous les jeudis soirs on va faire un live sur les figures de Soul of God et on s'en fera deux par soirée. Voilà. Donc du coup, il y en a 12, on a tout à faire 6 soirées. Et vu qu'entre-temps, il y aura sûrement les sorties et forcément les vacances aussi, parce que je vous annonce que je vais partir en vacances quand même. Donc cette série Soul of God risque de durer... Putain, mon casque, j'appuie sur le casque, tout se barre. Si on compte 6 séances, ce qui fait déjà presque un mois et demi. Plus les vacances, plus les nouveautés. Et bien les jeudis soirs version Soul of God risquent déjà de durer au moins 2 mois. Si tu savais, mon pauvre Yann, à quel point je ne blague pas. Alors, il me reste les ailes et les cornes. Donc les ailes et les cornes. Donc les cornes vont sur le haut et les ailes. Ouais, c'est ça, ça tient jusqu'à Noël. Christian, t'es doux sur le camp dans le décor. Est-ce que j'ai loupé ça? Peut-être pas, je sais plus. Mais c'est avec plaisir que j'irai jeter un œil dessus. Si tu peux m'envoyer des photos.
Ou sinon, j'irai voir ça. Ça, c'est clair et net. Alors là, il faut ne pas se tromper. Donc, qui est la gauche, qui est la droite? Il n'y a rien de politique là-dessus. Hein. Je dirais que celle-là vient ici. Là. Quoique. Non, je suis con parce que de toute façon, vu que le. Attends. Quand j'ai un doute, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est prendre la boîte. Bon, je pense pas qu'on tienne jusqu'à Noël quand même avec, avec les ouvertures Soul of God, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que je me suis pas gouré. Toute façon, j'ai une chance sur deux. Donc. Là. Ça, on y est. Il me reste les méga grosses ailes à mettre. Elles sont vraiment toujours impressionnantes ces trucs là. Elles doivent avoir un sens parce que on a la plume qui revient vers l'arrière. Et là, que je dise pas de bêtises, ça revient vers l'arrière comme ça. Donc celle-là doit aller ici. Tout se passe bien. Comment ça, pose clope? T'as craqué ou quoi? Moi je fume pas, mon petit. Mais vas-y, fais une pause, toi, si tu veux. Fais une pause clope, y'a pas de problème. Et voilà. Il est quand même très volumineux, le pépère. Comme à peu près toutes les Soul of God, de toute façon. Alors après, le but, c'est de leur faire une pause classe. De toute façon, il y a largement moyen de faire ça avec celle-là. Mais c'est peut-être pas gagné de faire ça ce soir tout de suite. Déjà, le faire tenir debout, c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, c'est bon pour Mu. Le premier des 12, le bélier. Alors, je vais le coller là. Ah, j'allais dire, vous allez pouvoir le voir de près, mais. Mais même pas, quoi. Parce que la tablette est un poil trop haute. Je vais le mettre plus loin. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Du coup, là, il va être un poil loin. Voilà, le temps que je range tous mes petits blisters. Après, on attaque du lourd par contre, hein, parce que le taureau, que ce soit au niveau de l'envergure ou au niveau du poids, c'est monstrueux. Je me rappelle que quand j'avais fini de monter mon taureau sur Love God, la première chose que j'avais fait, c'était parti de le. J'étais parti le peser parce qu'il était vraiment ultra massif le truc. Je me rappelle plus du poids. Je sais
J'avais posé ça en photo sur le sur la page. Tac. Et le dernier booster. Je viens de voir que Christian m'envoie des petits mails. Je regarderai ça après, Christian. J'ai déjà dit ça, mais je sais pas pour vous, moi je suis toujours autant nostalgique de, des boîtes fenêtres en fait. J'aime pas trop les boîtes comme ça là qui se vous parlent dessus. Et d'ailleurs j'ai vu que pour les versions revival de Phoenix par exemple, la dernière qu'on a vue, et bien ils avaient changé. Parce qu'avant c'était des boîtes fenêtres pour les V1, et là c'est leur, les boîtes qui se vous parlent dessus. Ça perd de son charme. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Et... moi, quand j'allais en magasin, c'était vraiment ce qui me faisait rêver, quoi. C'est j'ouvrais mes boîtes fenêtres sans ouvrir la, la, sans comment dire déceler la figurine. Et puis voilà, j'étais en train de rêver dedans, j'étais en train de me dire devant, j'étais en train de me dire laquelle je prends. Parce que quand j'ai commencé les Midcloth, j'étais étudiant. Je m'étais basé sur un rythme de une tous les 15 jours. J'avais beaucoup de retard. Et une tous les 15 jours, c'était un rythme sur lequel financièrement je pouvais rattraper pas mal de figurines de retard. Et le plus dur, c'était de savoir laquelle j'allais choisir à chaque fois. Allez, hop, le Toro. Et je vous mens pas, hein. Je pense que la boîte du Toro, elle fait presque deux fois la taille du poids du mur. Elle fait deux fois, je recommence ma phrase parce que je crois que je ne l'ai pas fini. Elle fait deux fois le poids de la boîte de mur en fait. C'est fou. Salut Steph. Allez, c'est parti. Ce blister là. C'est vraiment incroyable et magnifique. Ces figurines, elles sont super belles. Donc là c'est pareil, on a la, la notice plus le, ce qui va dans le classeur là. Et pour le taureau en plus on avait ces espèces de mini décors, je crois qu'il y en a 4 et il y en a eu 3 figurines qui en ont eu 4. Donc pour le taureau on avait le lion, ça voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour Monsieur Camus, hop, la Vierge et bien sûr le taureau dans la boîte du taureau. Et derrière, alors ce que j'ai jamais compris, c'est que en fait on a un logo sur Love God, donc forcément c'est son des Midcloth X, mais pourquoi est-ce qu'on avait les, le logo des DD à côté? Parce que c'était les deux trucs à la mode en ce moment là, ou enfin je sais pas trop. Et il y avait une petite notice de montage pour ces espèces de faux décors, enfin ces trompe-l'œil, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. C'est des trucs qui font le taf quand on n'a pas de déco. Mais déjà, rien que d'avoir les 12 Soul of God l'un à côté de l'autre, bah, t'as pas besoin de mettre ça derrière. Rien que les 12 ensemble, visuellement. Si t'as rien d'autre, c'est déjà ultra classe. Alors, forcément, je vais enlever le petit blister.
ça va faire un poil de bruit. Donc dans la boîte, particularité de la débarrage, en fait c'est qu'il est, c'est le personnage le plus grand en termes de taille. Et donc forcément dans la boîte, eh ben, ils ont enlevé les pieds, parce que sinon sur la hauteur ça ne passe pas. C'est pas non plus exceptionnel, c'est pas un truc ultra important, mais on peut le signaler. Pour ceux qui savent, ou enfin surtout pour ceux qui ne savent pas, sur les cordes Miklos X, vous pouvez remonter le bus comme ça. Voilà. Ça permet de laisser un peu plus de place pour venir insérer certaines pièces. Donc c'est parti. Alors lui, normalement, c'est pas très, c'est pas compliqué du tout. C'est juste que tout est volumineux. Donc tu as l'impression d'avoir beaucoup de choses à monter, mais en fin de compte, pas du tout. La moindre pièce beaucoup beaucoup de place. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez là, la pièce pour le mollet quoi, elle est monstrueuse. Regardez comparé à Mu à côté, elle fait, je sais pas, ouais, elle fait tout son tronc quoi. Rien que cette pièce là, toute la largeur du tronc, un truc de fou. Le taureau était une des figurines les plus abusées niveau envergure. Surtout qu'ils avaient collé des ailes monstrueuses au taureau. On voit pas trop pourquoi, d'ailleurs, pourquoi un taureau avec des ailes, à part si c'est pour faire un clin d'œil à la marque de riz taureau ailé, mais... Je crois que leur délire en fait c'était donner le plus d'envergure possible et une touche aérienne à chaque personnage en fait. Donc le but c'était coller soit des ailes, soit quelque chose qui ressemble à des ailes à chaque personnage. Salut Carlos! Pas des jambes qu'il a, mais c'est des poteaux quoi. Ouais, c'est vraiment facile à monter hein, le taureau sur la boîte. En termes de stabilité aussi, c'est monstrueux quoi. Quand tu vois la superficie du pied qu'il y a au sol, rien qu'un coup de pied, tu veux pas qu'il te foute un coup de pied dans le cul. Hein, parce qu'avec les pointes. Tu vois le taureau comme ça, avec ultra massif en bas, j'ai l'impression de voir Rao en fait. Ça me fait penser à Rao. Regardez, rien que la pièce qui va au niveau du genou. Ça, c'est la pièce qui va au niveau du genou. Elle est plus grande que le casque de Mu. C'est fou. Et je mens pas, hein, regardez. Ça, c'est pas... Le taureau Soul of God, c'est vraiment pas une de mes préférées. Parce que franchement, c'est vraiment trop disproportionné, vraiment trop, trop exagéré en fait. Et tenir un coup de genou, déjà, ça y est, t'es foutu, t'es terminé quoi. Ça c'est... jupe. Hop. Toujours cette fameuse pièce sur la ceinture qui fait chier.
vivement qu'ils choisissent de faire un autre système, qu'ils se rendent compte que ça c'est vraiment pas le top. Et pourquoi, pour une fois, ne pas prendre exemple sur nos amis pirates qui eux ont un système bien plus stable, comme le souligne notamment mon ami Renaud The CNS dans sa dernière vidéo, où il montre le système qui est sur le Camus, sur l'Opgod de Great Toys. Au moins on sait que quand c'est rentré dedans, et ben ça bougera pas. Bon là, la pièce est massive, donc tu sais que ça va pas trop bouger non plus. Mais très honnêtement, c'est le système en lui-même qui n'est pas top, quoi. Hop. Ça me fait très très plaisir que beaucoup d'entre vous aient pris un peu cette habitude que du coup le jeudi soir c'est soirée live et qu'ils passent soit une bonne partie du live ou juste le temps d'un petit coucou pour le live. Franchement c'est vraiment très sympa à vous. Vous êtes tous incroyables. Vous êtes des gens incroyables. La communauté Senseiya est peuplée de gens merveilleux. Bon, par contre, le taureau, je vais lui mettre les points fermés. Et je me demande où sont les protège-mains. Je crois que ce sont ceux qui sont ici. Je ne dirais pas de bêtises. Comment ça, c'est Yann qui t'oblige? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attention, Carlos, raconte pas trop de conneries. Hein. Non, mais c'est vrai, Carlos, tu fais partie des gens qui y passent régulièrement, qui laissent un message. Ça fait plaisir. Très honnêtement, ça fait plaisir. Ouais. Avec beaucoup d'entre vous, enfin, ceux qui viennent régulièrement et tout ça, qu'est-ce que tu dis? Ta leçon fait ouais. En fait, sur Vegeta, c'est pas le son de base, c'est juste que j'ai rajouté des toutes petites enceintes qui sont branchées sur le socle, et du coup, ça nous fait sortir le son, quoi. C'est très sympa. Bon, par contre, tu le mets pas à 3 heures parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Yes, c'est Aldebaran sur Love God. Ouais, comme je disais, il y en a beaucoup avec qui je parle après sur la page régulièrement. Et du coup, c'est cool parce que certains deviennent des amis, on rigole. On partage des news, trucs comme ça, c'est ça qui est bon dans une communauté. C'est ça qui fait du bien, c'est de pouvoir s'évader avec des gens. T'as mais Yann, je te jure Yann, le jour où tu l'as ton Vegeta, t'as intérêt de m'envoyer une photo. Hein. Ouais, je disais c'est ça qui est bon, parce que bah, après je sais pas vous comment c'est dans votre quotidien, mais... Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui aime les mangas et qui partage la même passion que moi. Donc, je me sens moins seul déjà. Mais je veux dire, c'est pas tous les jours facile au quotidien d'avoir des collègues ou des amis qui partagent un semblant de passion avec vous. Et on se sent malheureusement parfois un peu seul. Donc du coup, Facebook aide là-dessus et les groupes actifs de Senseiya, peuplés de gens intéressants, permet d'avoir de bons échanges.
C'est ça qui est bien. La force de la communauté Senseiya. Qu'on soit à l'autre bout de la France, dans la même ville, ou à l'autre bout du monde, on partage la même passion. Et c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, j'ai de la chance, ouais. Ça marche. Pendant 15 jours, tu m'envoies des photos. On fait ça, Yann. 15 jours, une photo par jour. Tu m'envoies 15 photos de Vegeta. Yann, il y a Carlos, il est en train de te tailler, là. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Carlos. Hein. Yann, il nous casse les couilles un peu avec son Vegeta. Hein. Faut rigoler, Yann. Hein. Je suppose que tu vas rigoler. Bon, je suis en train de m'emmerder avec mon épaule là, je suis en train de parler, de faire le con là. Et forcément, ça rentre pas. Allez, tu vas y aller, oui. Et vous vous arrangez entre vous après, hein. C'est vos histoires, les gars. C'est pas mythique hein, ici. Hein. C'est pas rencontre un collectionneur.com. Hein. Je fais pas des lives pour faire des plans cul entre collectionneurs Senseiya, les gars. Je plaisante, je plaisante. Bon, du coup, regardez. J'ai presque fini là. Et quand on sait comment est le taureau réellement, eh ben, il n'y a même pas la moitié de l'envergure du perso, quoi. Parce qu'après, j'ai un peu tout ça à lui coller. Je vais m'attaquer à la tête déjà dans un premier temps. Parce que je mets le casque à le débarras, hein. Oui. Alors, que je dise pas de conneries. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas de chevelure pour lui mettre sous le casque. Tant pis. Adopte une mythique. Et vous êtes intenable, les gars, ce soir. Intenable. Mais bon, Yann est. Il est vraiment plus complet que le simple. Ah, pas guère plus. Yann et Carlos, si vous faites un petit, je veux bien être le parrain. Hein. Y a pas de problème. Oh. Alors là, c'est cool. Regardez, en plein live, je viens de me faire planter par le taureau, quoi. En plein live. J'ai la corne du taureau qui m'est rentrée dans le doigt. Il m'a fait un great horn. Heureusement que c'est que dans le doigt. Rien n'est cassé, par contre. Non, mais c'est... En fait, c'est que je forçais et il y a les pointes. Je sais pas si vous voyez. Les pointes sur toute l'axe... au milieu là de son casque. Putain, ça m'est rentré dans le doigt. Eh ben ça pique. Putain, j'ai la tête qui rentre pas dans le trou là.
Elle rentre et elle ressort tout de suite. Putain, j'ai peur d'aller y mettre les doigts maintenant. C'est ouf. Qu'est-ce que vous dites? Oh là là, sans déconner. Bon, ça veut pas rentrer. Qu'est-ce que je fais? Ou je vais essayer une autre technique. Comment ça, c'est ambigu ce que je raconte? C'est toi qui as l'esprit mal placé, mon pauvre. Ah, depuis que tu essayes de draguer Carlos, là. Là. Non, non, pas lubrifiant, sinon ça ira encore moins bien. Bon. Pourquoi cette tête ne tient-elle pas? Alors je crois qu'on va... Ouais, maintenant c'est le bras. Je crois qu'on va être condamné à mettre ce casque en dernier. Et voilà comment on part d'un montage de mid-close qui devait s'avérer être ultra simple à quelque chose qui peut partir contre le mur en moins de 2 minutes. C'est dingue, hein? Alors ça, je vais mettre ça là. Du coup, j'ai pas le temps de lire tous vos messages, mais je pense qu'en termes de conneries, vous vous lâchez, quoi. N'est-ce pas? Je pense qu'il y en a qui se font plaisir. N'est-ce pas, Carlos, Yann? Sans citer de nom. Ah, mais un truc de ouf! Attendez. Je crois que je viens de trouver un truc de malade. C'est qu'on peut enlever les piquants. C'est dingue. Je vais pouvoir appuyer. Ah, mais il y en a d'autres, hein. Bon, c'est déjà plus enfoncé que tout à l'heure. Est-ce que ça va y tenir? J'espère. Ouais, d'accord, elle vient de ressauter la tête. Bon, le taureau, il a décidé de me faire chier ce soir. Alors. Comment ça, genre? Mets d'abord son casque sur la tête, ensuite tu l'insères. J'ai essayé. Putain, je vais galérer pour remettre les piquants maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce casque? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une connerie en enlevant ce piquant? Parce que forcément sur le notice, hein, c'est pas marqué qu'on peut enlever le piquant.
Il n'y a qu'un con pour faire ça, c'est moi, quoi. Ah, j'avais pas vu un des trompeurs. Voilà. J'ai remis mon casque comme il faut. Et mon casque, eh bien, je le mettrai à la fin. Point barre. C'est comme ça, ma poule. Ensuite, donc on doit avoir une pièce à coller dans le dos. C'est ceci qui se met comme ça. Et alors là, ouvrez grand vos yeux parce que d'un seul coup, la taille du taureau va être multipliée par deux. Comment ça, c'est la transpiration des doigts qui ont... Non, c'est pas la transpiration des doigts, hein. C'est que la pièce, elle rentre pas. Ça arrive, il y a des défauts. Je prends juste la boîte à côté pour être sûr que je fais pas de conneries. Salut, Saga! Allez, c'est parti. Donc, ça doit venir ici. Très bien. J'aime quand ça fait comme ça. L'autre partie qui vient là. Voilà. Voilà, là ça rentre bien, pas de problème. Et voilà. Regardez ça un peu. Le débarras, il baisse la tête, tu fais non. Non. Ouais, il fait chaud, ouais. Comment ça, du Barça, Yann, t'es raciste envers les Catalans? Attention. Attention. Qu'est-ce que je n'ai point mis? Rien. Donc je vais fermer mes petits blisters. Et après, je vais m'amuser à coller la tête. Ouais, il fait chaud, hein. Bon. Ça, c'est qui? Ça, c'est là. Ouais, ça, c'est là. Bon, on se sera fait nos deux petites soirées de ce soir, tranquille. Ça sera passé sans trop de problèmes. Ah non. Ah non, Yann. Sans déconner, quoi. Tu viens de baisser dans mon estime, Yann. C'est incroyable. J'espère pour toi que c'est juste pour chambrer, que c'est pas vraiment, vraiment ce que je crois. Touche-toi, pépère. Tac. Je vais coller ça de côté. Voilà. Et ça aussi. Alors. Mon ami, vas-tu vouloir que je te le mette sur la tête? Arrête de faire la gueule déjà. Tiens-toi droit, comme un homme. Bombe du torse. Serre les fesses. Voilà, montre qui tu es là. Hein, t'es un chevalier d'Athéna, chevalier d'or. Tu dois en imposer. Voilà. Et là, il se fout de ma gueule. J'ai à peine appuyé, pam! C'est bon, quoi. Et puis, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de faire du montage de mid-close et vous êtes tous en train de me dire le nom de votre club là? Sans déconner, la Coupe du Monde elle est finie, les gars.
Bon. Voilà. Voilà pour le programme de la soirée, tranquillement. Les deux premières Soul of Gold. Donc, Monsieur Mu du Bélier et Monsieur merde. Aldébaran du Taureau. Allez, hop, je vous attrape avec moi. Je vais venir plus près pour regarder tout ça. Yeah! Regardez, regardez. Bon, je suppose que c'est des figurines que tout le monde a déjà vues, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir de les voir. Elles sont magnifiques, hein. Voilà. Un beau bélier. Bon, en termes de pose, comment ça, il y a du trucage? C'est quoi ce délire? Regarde, regarde, regarde. Regarde la tête, si elle y est pas. Elle y est. Nickel. Propre. Ouais, par contre, la différence de taille, hein, je vous ai pas menti tout à l'heure. Hein. Le taureau, il est abusé, quoi. Il y a du craquage sur le taureau, quoi. Voilà. Allez, hop. Je vous mets un peu comme ça sera mieux. Et du coup, ben, merci à tout le monde de t'être passé ce soir. Merci d'avoir fait des petits messages et tout. Comment toi, chez toi, ça marche pas? Ouais. Attendez, il y a la lumière. On sera mieux comme ça. Ouais. Merci à tout le monde d'y passer, merci à tous ceux qui ont laissé des messages, on a bien rigolé ce soir, moi ça me fait plaisir de faire des lives comme ça, c'est cool. Merci aux gens qui passent tous les jours sur la page, aux gens qui lâchent des likes, qui lâchent des commentaires, des gens qui m'envoient les photos de chez eux, de leur collection, quoi que ce soit. Merci à tous, vous êtes des gens incroyables. Et j'essaye au mieux de faire partager cette passion à tout le monde. Et du coup, pour ceux qui vont regarder en replay, ouais, t'inquiète Christian, je vais regarder tes photos après. Pour ceux qui regardent en replay sur la page Facebook ou sur YouTube, pareil, je vous bise, vous êtes sympa, pensez à lâcher un petit commentaire. Comme ça, je sais qui est passé après et qui a regardé le live. Donc, comme je vous ai dit, j'ai le serveur qui va arriver dans pas longtemps, parce qu'il est parti aujourd'hui. Je doute qu'on puisse le faire jeudi prochain en live, mais dans 15 jours, il y a de grandes chances. Par contre, sur les lives, il y aura celui de la semaine prochaine, celui dans 15 jours. Après, il n'y en aura pas parce que je vais prendre des vacances. La semaine prochaine, eh bien, on va se faire les deux prochaines Soul of God, c'est-à-dire le pack Saga Saga. Vous devez le voir derrière, là. Le pack Saga Saga et... Death Mask du cancer. Et donc pour la dernière semaine, si le Cerbère est là, on fera le Cerbère, sinon on continuera. Donc dans l'ordre, et ben ça sera le Lion et la Vierge. Voilà. T'avais pas entendu en arrière-plan, c'est Vegeta? Ouais, je vous montre une dernière fois Vegeta avant de partir. Spécial pour Yann. Ah mais Popo X, je l'ai déjà monté la semaine dernière. Tu peux aller voir la vidéo en replay. Allez, ciao tout le monde, merci encore à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.